Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce jeudi 3 juin 2021, direction l'hippodrome de Paris-Longchamp pour le prix de l'île de la Cité, 8e course de la Réunion 1, où 16 galopeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 20h15. Une fois encore, la discipline du galop sera à l'honneur en ce milieu de semaine avec un gros handicap divisé de première épreuve réunissant des chevaux en 44,5 de valeur et moins. Sous un ciel pluvieux mais une température agréable de 25 degrés, le parcours emprunté sera celui des 1800 mètres de la moyenne piste. Une fois encore, beaucoup espèrent le succès. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 3, Raj Kumar. Ce pensionnaire d'André Fabre sera monté pour la deuxième fois d'affilée par Alexis Pouchin. D'une belle régularité dans l'ensemble et ayant tiré l'as à la corde, il vise logiquement le succès. En deuxième choix, le numéro 2, Go to Hollywood. Après plusieurs places d'honneur depuis le début de l'année, il a enfin trouvé une juste récompense à ses efforts en s'imposant au courage. Pénalisé au poids, il semble en mesure de confirmer aujourd'hui. En troisième choix, retrouvons le numéro 4, Anodor. Cet ancien cheval très prometteur entraîné par Freddy Head participe pour la première fois de sa carrière à un handicap. Bien placé sur l'échelle des valeurs à nos yeux, il peut gagner. En quatrième position viendra le numéro 8, Roberto Mount. Rodolphe Collet l'estime énormément depuis le début de sa carrière et pense tout simplement qu'il a la pointure pour remporter une telle épreuve. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 6, Pegasus. Fabrice Vermeulen l'aime bien et lui a donné satisfaction lors de sa première tentative pour son nouvel entourage. Avec Vincent Cheminot aux commandes, il doit terminer dans les 5 premiers. Au 6e rang sera retenue la candidature du numéro 16, Jem Cutter. Cette femelle de 4 ans entraînée par Jean-Philippe Dubois et portant la casaque de l'écurie Victoria Dreams n'a qu'à répéter ses derniers essais pour terminer à l'une des 5 premières places. En avant-dernier choix, le numéro 9, Bobby d'Argent. Supplémenté pour la circonstance et présenté par l'insatiable Jean-Pierre Gauvin, il peut logiquement lui aussi espérer un joli chèque à l'arrivée. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 10, Letiz Marvel. Il a un joli rush final et si Haute du Porté arrive à le planquer durant le parcours, il sera redoutable pour finir. En cas de non partant, le numéro 11, Talap, équipé de hier australienne et piloté par Michael Barzalona, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1€ sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mardi, Top Prono indique de très nombreux coups de cœur à la gagne, tandis que Turf Selection offre encore un trio à plus de 1300€. Pour vous abonner à Prono VIP et bénéficier des nombreux pronostics gagnants, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur cet abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez-nous un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du prono de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP turf-fr.com.